Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc aujourd'hui, les enfants, on va voir l'importance de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut me dire comment on fait pour prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui sait? Qui a une idée? Personne? Alhamdulillah, vous allez tous apprendre quelque chose aujourd'hui. Quand on dit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire faire la prière pour lui. Non, la prière on la fait que pour Allah. La prière on la fait que pour Allah. La prière on la fait que pour Allah. Et toutes les adorations on les fait que pour Allah. On prie pour Allah. On jeûne pour Allah. On fait des duas pour Allah. Quand j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide à Quand je place ma confiance, je place ma confiance en Allah. Quand je veux aller au paradis, j'espère en Allah. Quand j'ai peur et je ne veux pas aller en enfer, je demande de m'écarter de l'enfer à Allah. Tout ce que je fais, je le fais, je le demande et je le fais pour Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit Iyaka na'budu. Répétez Iyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Quand tu dis Iyaka na'budu, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons. Mais le fait de prier sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ici, c'est-à-dire on demande à Allah azza wa jal de l'évoquer en bien. On invoque Allah pour lui. On fait des du'as pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui sait comment, maintenant, comment on prie? Eh bien, en disant, quand on entend parler de son nom, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Je peux dire aussi alayhi salatu wa sallam. عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام Ça, c'est lorsque tu entends dans un discours ou peu importe, tu entends le nom du prophète,
tu dis sallallahu alayhi wa sallam ou tu dis alayhi salatu wa salam. Par contre, lorsque tu as le temps, la meilleure manière de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Et là, il est important de savoir l'importance de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car comme on l'a dit, le premier pilier de l'islam, c'est quoi? C'est quoi le premier? Très très bien, Amin, mashallah. On dit Amoum Teza, Amin, Moum. Quand je dis Moum, vous dites Tez. Moum. Très très bien, Amin, mashallah. C'est Ash-Shahadatan. C'est la double attestation. Le premier pilier de l'islam, la première chose que le musulman doit faire, et s'il ne le fait pas, il n'est pas musulman. C'est de dire Ash-Shahadu Allah, ilaha illallah. D'attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité sauf Allah. Comme on a dit, on doit adorer que Allah. Est-ce qu'on adore les statues? Non. Est-ce qu'on adore les étoiles? Non. Est-ce qu'on adore les armes? Non. Est-ce qu'on adore les pierres? Non. Est-ce qu'on adore les hommes? Non. Est-ce qu'on adore les anges? Non. Est-ce qu'on adore les prophètes? Non. Est-ce qu'on adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. On adore que Allah. On adore que Allah. On adore que Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et ensuite on dit wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Et j'atteste que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur d'Allah. Ça veut dire quoi, c'est un serviteur? Ça veut dire que lui-même, il adore Allah. Donc pourquoi on va l'adorer lui, alors que même lui, il adore Allah? Vous avez compris? Et c'est le messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme on le verra dans les leçons suivantes. Et sachez qu'à chaque fois que je prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala lui redonne la vie, c'est-à-dire qu'il lui remet son âme pour qu'il puisse nous répondre. Comme dans un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah azza wa jal, il a créé des anges et ces anges, ils parcourent la terre. Il y a des anges, leur seule fonction, c'est de parcourir la terre et ces anges, Allah, il leur a donné le pouvoir de connaître le nom de tout le monde. Et toute leur vie, vous savez, ils cherchent après qui? Après ceux qui prient sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils notent ton nom, et ensuite ils... Oui? Et ensuite ils préviennent, ils informent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que tu lui as passé le salam, et il te rend le salam. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa, vous avez vu, à chaque fois qu'on entend le nom du prophète, on dit sallallahu, nous informe que lorsque l'on prie une fois pour lui, Allah tabaraka wa ta'ala prie 10 fois pour toi.
C'est-à-dire quoi qu'Allah il prie 10 fois pour toi? C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand on dit Allah il prie sur toi, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'évoque auprès de ses anges. Imagine, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de toi à ses anges. C'est beau ou c'est pas beau? Donc c'est pour cela qu'il faut toujours prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que l'on entend le nom du prophète, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Également, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allah tabaraka wa ta'ala, comme on le verra dans la leçon d'après, Allah azza wa jal nous ordonne de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous informe que les anges eux aussi prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on récapitule, lorsque nous on prie pour Allah, c'est-à-dire qu'on fait la prière. Lorsqu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'on dit, on fait des du'as pour lui, on demande à Allah sallallahu que la prière d'Allah, c'est-à-dire on demande à Allah azza wa jal de l'évoquer alayhi wa sallam et que le salam soit sur lui. Le salam, c'est-à-dire on demande à Allah de le préserver contre toutes les mauvaises choses. Et également, quand on dit que Allah Azza wa Jalla prie sur nous, c'est-à-dire qu'il nous évoque auprès de ses anges, et quand on dit que les anges prient sur nous, c'est-à-dire qu'ils demandent à Allah de nous pardonner les péchés. Allahumma salli على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.